trompé, c'était pas fini, je l'ai juste pas battu au bon moment en fait. En fait, fallait que je me dépêche plus de les battre, de battre Samatsu. Avec le canon Garrick, le caméraman de Sengoku Vegeta, les autres pensent l'avoir emporté. Mais c'est alors que le corps de Samatsu fusionné commence à se transformer, donc c'est pas fini en fait avec Samatsu. C'est parti, on va essayer de finir ça comme il faut en fait. Hein. C'est juste que j'avais pas fini ça comme il fallait. Là, il faut qu'il fusionne. On va fusionner. Samatsu, c'était pas terminé, les gars. ポータラでの合体効果は海王神でない者同士では1時間しか持たないそうなんです。ちゅうことは1時間黙れ。それ以上なんか喋ったらやってやるぞ。 Samatsu fusionné Black, ça va être quelque chose. Ouais, mais il va falloir le faire. ベジットブルー。やんじゃん、見せてやるよ。お前いてえのか？お前はもう不死身じゃねえし、人間はゼロにすることもできねえよ。気がつかないか？合体した今、お前の体にはどうしても残っちまうんだよ。孫悟空という人間がな。そうだ。 それが我が望みだ。サイヤ人よ、孫悟空よ。お前は人でありながら神をも忍ぶ力を得てしまった。お前、この宇宙を築いた神々の失敗の象徴なのだ。さればこそ、お前は 孫悟空と一つになることで人間の罪と神々の失敗をこの。 Et ouais, il se le prend de plein fouet, tu m'étonnes. J'ai trop bien géré. J'ai trop bien géré. まだ 1時間経ってないの? Let's go. Le Zamatsu fusionné Black, on l'a détruit plus facilement. Oh là là, incroyable. Mais en fait, c'est tout simplement parce que j'avais pas battu dans un temps imparti qu'on n'a pas eu la bonne fin, en fait, tout simplement. Alors qu'ils se séparent, la situation semble mal embarquée pour Goku et Vegeta. Cependant, tout n'est pas perdu puisque Trunks arrive bientôt à la ressource. À la rescousse, pardon. Oh là là, ce qu'il lui met Trunks, oh là là. Rassemblant le ki de tous les mortels survivants et le canalisant dans son épée, Trunks utilise sa lame pour terrasser Samatsu. Cependant, alors que tout le monde pense que Samatsu a enfin disparu pour de bon, il enveloppe la terre de sa forme incorporelle. Toute l'humanité est perdue à l'exception de nos héros. N'y a-t-il vraiment aucun moyen de stopper ce fléau de Samatsu? La situation désespérée, mais Sengoku a soudain une idée. En entendant ces mots, Sengoku dégaine le bouton que lui avait confié le grand Zeno pour l'invoquer en toutes circonstances et appuie dessus. Avec ceci, le grand Zeno apparaît dans le monde de Trunks et Goku, proposant à Zeno d'effacer Samatsu de l'existence.
Cependant, Zeno goûte bien peu au monde déprimant dans lequel il vient d'être invoqué. Il choisit de détruire la planète entière à la place. Goku et Si se précipitent vers la machine temporelle et s'enfuient de justesse. Trunks et ses amis ont perdu leur foyer, mais Whis leur apprend qu'il reste une possibilité pour eux de retourner dans ce même monde avant sa destruction. Avec l'aide de Whis, il scelle Zamasu à l'écart de ce monde. Après avoir fait ses adieux à Sangoku et ses amis, Trunks met la cape vers de nouvelles aventures dans son propre monde. Et là, les gars, nous avons terminé ce petit Zamasu. Voilà la saga de Trunks du futur qui est terminée, les gars. Et là, nous pourrons continuer au chapitre 7. La prochaine fois, je suis vraiment désolé parce que pour le coup, c'était pas notifié qu'on n'avait pas terminé. Et vu la fin qu'on avait eue, moi, je pensais que c'était terminado. Alors qu'en fait, pas du tout. Il fallait battre Zamasu et ce Black Goku dans un temps imparti pour justement avoir la suite, la réelle suite, et pouvoir continuer donc les prochains chapitres de la saga de Sangoku. Donc là, la prochaine saga, c'est l'arc de survie de l'univers, chapitre 7, les amis. Et ça sera pour la prochaine vidéo, je vous le promets. Donc là, vous aurez quoi, 6-7 minutes de vidéo pour la fin de ça, la vraie fin de Zamasu. Mais c'est pas très grave, ça fait kiffer, c'est pour ça qu'on aime. Là, on a plein de fins, on va dire, entre guillemets, alternatives. Il faut bien regarder, parce que regardez, là, les flèches vertes, cela signifie que nous devons avoir des objectifs précis dans les combats pour pouvoir continuer en fait la saga de Sangoku et toutes les autres sagas bien évidemment. Donc je vous dis à très très vite pour l'arc survie de l'univers et portez-vous bien. Jusqu'à la prochaine fois, des gros bisous.